Ce vendredi 10 février, la scène musicale accueillait la 38e cérémonie des Victoires de la musique, et c'était l'occasion de célébrer la magnifique carrière de Serge Lama. Cependant, s'il recevait un trophée d'honneur, le chanteur et comédien âgé de 80 ans avait prévenu dans ses récentes interviews, il ne voulait pas chanter. La raison, son état de santé. Et comme il l'a rappelé sur scène après avoir été sacré, son corps a décidé de lui jouer des mauvais tours, et si est-il la raison pour laquelle il ne peut plus partir en tournée à travers la France. Si est-il peut-être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer debout. Et si est-il même certainement la dernière fois, car comme vous le savez, j'arrête les frais, a-t-il lancé face aux spectateurs présents, non sans émotion. Et de poursuivre, mon corps ne veut plus suivre. Je ne veux pas chanter assis, je refuse cette éventualité. J'ai une belle vie, j'ai fait le métier que je voulais faire depuis l'âge de 11 ans. Serge Lama cache sur son état de santé le 5 février dernier. Serge Lama accordait un entretien au JDD dans lequel il s'exprimait au sujet de son état de santé, évoquant des douleurs physiques qui se multiplient. Je suis très abîmé physiquement, révélait-il. Et pour étayer ses propos, l'artiste a fait savoir à l'hebdomadaire que les douleurs se multiplient, et, avec l'âge, avouant au passage avoir beaucoup de mal à marcher. Si est-il donc pour cette triste raison que le chanteur préfère se retirer du paysage musical. Crédit photo, capture écran, France 2.